Alors aujourd'hui, je vous emmène au musée d'histoire naturelle sur l'île. Donc on n'aura peut-être pas le temps de tout visiter, mais en tout cas, je vous emmène avec moi pour visiter une bonne petite partie. Allez, c'est parti! Voici la menthe religieuse. Elle est surnommée également tigre de l'herbe. Avec ses pattes, elle peut les déplier très rapidement pour capturer une proie. Voici la reine du camouflage, la sauterelle feuille. Elle se confond avec son environnement car son corps ressemble à une feuille verte. Elle fait partie de la famille des orthoptères, tout comme le grillon et le criquet. Voici une niule. C'est un myriapode, tout comme le mille-pattes. Elle est constituée d'anneaux, avec deux paires de pattes par anneau. L'iule est inoffensive pour l'homme. Elle se roule en spirale dès qu'elle se sent menacée. Les animaux vertébrés possèdent un squelette interne. Ils ont donc une colonne vertébrale qui soutient le corps, un crâne qui protège le cerveau, une cage thoracique qui protège les poumons et quatre membres à l'exception des cétacés. Voici des mammifères insolites. Ici l'ornithorynque, le seul mammifère qui pond des œufs. Le pangolin, également mammifère mais porte des écailles, et le tatou avec sa carapace. À la fin de l'accouplement, il arrive que la femelle menthe religieuse dévore le mâle. Voici une espèce bien particulière de phasme. C'est le phasme à tiare. Il est également appelé phasme scorpion car son abdomen est relevé comme celui du scorpion.
Le phasme est un insecte dont le corps ressemble à un petit morceau de bois allongé. Il a 6 pattes, 2 mandibules et 2 antennes. Il est herbivore. Voici un couple de calistes tricolores. Ce sont des passereaux. Ils vivent au Brésil, au Paraguay et en Argentine. Voici des blattes. Les blattes ont un corps aplati et de longues antennes. Elles sont omnivores, c'est-à-dire qu'elles peuvent manger de tout, et elles aiment surtout la chaleur et l'obscurité.